Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo S-Factory. On a plein de nouveaux produits à vous présenter, des nouveaux banques, des nouveaux briquets, des nouveaux portants sans backflow comme vous pouvez le voir, mais également chicha, accessoires un peu spéciaux, grinder. Bref, on va vous présenter les nouveautés du moment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, encore une fois, on va vous faire gagner plein de cadeaux, dont un grinder, un lot de briquets, mais également un portant sans backflow au choix parmi ceux qui sont présents dans la vidéo. On commence tout de suite avec les nouveautés Bang. Premièrement, le Bang en verre Basil Bush H3. C'est une nouveauté assez sympa de chez Basil Bush. Il est dispo en plusieurs coloris. Ici, j'ai choisi le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Non, pas du tout. On a un super Bang en verre plutôt quali avec une forme originale. Un percolateur à 8 branches en bas et un percolateur dôme sur le niveau haut de la colonne pour une filtration au top. La douille dispose d'une petite poignée pour une manipulation facile. C'est un super bang dans les nouveautés, je l'aime beaucoup. Très bonne filtration en plus avec ce modèle. On a ensuite toujours dans les bangs en verre ici avec Blackleaf, un énorme bang. Blackleaf Ice Skull Twist. Il est très très grand, donc chemin de fumée immense. Long plongeur avec en plus diffuseur au bout. On voit ici les petites fantasses. La douille avec un petit plot ici pour la manipulation et un système ice pour mettre des glaçons, pour une fumée bien fraîche, bien comme on veut. Toujours chez Blackleaf, un format un peu plus réduit ici, un très mignon bang en forme d'ananas. Il est vraiment stylé, le verre est très épais, c'est assez quali, le mélange de vert et de jaune est très sympa. Descente intégrée, on a également toujours un plongeur avec une poignée pour la manipulation. C'est tout neuf, tout nouveau, tout chaud, fraîchement sorti des usines de Blackleaf. En plus, il y a une embouchure style saxo, donc ça pour le confort d'utilisation, c'est vraiment nickel. Et enfin, dernière nouveauté du côté des bangs, tout frais également. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais certainement que si. On n'arrête pas d'en parler en story, etc. Le Student Glass édition Dr. Green Thumb, qui est d'autre que Be Real, un des rappeurs du groupe Cypress Hill, qui est très influent dans le milieu des abris créatives aux States. Il a fait une collab avec Student Glass pour sortir un modèle qui reprend toutes les caractéristiques du Gravity V2 qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs si vous n'êtes pas encore familier avec ce produit. Finition, Green Thumb, donc avec un super mélange de vert émeraude et des dorures un peu partout. Donc on voit le plongeur ici, l'embouchure en doré. Il est toujours aussi fonctionnel et je trouve vraiment que la finition est super réussi. Bon, je l'ai pas précisé, mais avant de passer à la gamme de CBD, bien sûr, il y a encore plein d'autres nouveautés Bang à découvrir dans le rayon Bang. Je vous invite à aller faire un petit tour sur S-Factory. On va maintenant présenter la gamme Emeka, fraîchement arrivée sur S-Factory. C'est une gamme de CBD 100% française, donc pas d'inquiétude au niveau de la provenance. Pas de petite pause, pendant que Nico est en plein montage. Depuis le tournage de la vidéo, on a pris connaissance de nouvelles directives sur le CBD. On n'a pas le droit de vous le présenter sous un jour favorable. Du coup, la séquence qui suit a été très légèrement censurée. Bon visionnage. On commence avec l'huile de CBD, dispo en 5, 10, 15 ou 20%, c'est tout chaud, ça vient d'arriver. C'est de l'huile de qualité premium, produit par extraction, par surpression. Donc c'est vraiment le top du top, vous pouvez retrouver ça bien sûr dans notre rayon CBD sur S-Factory. On enchaîne avec cette crème hydratrice, proposée en tube avec un petit bouton poussoir au-dessus, 100%. Donc il y a de l'huile de chanvre, de la mélisse, du CBD bien sûr, pour un effet... et avoir une peau tout au long de l'année, tout simplement. Je te la conseille, Nicolas. Je vois que tu as des petites sécheresses au niveau des coudes. Ah, laisse mes coudes tranquilles. Pas de quiproquo, bien sûr. On enchaîne avec ce baume au CBD, 100%. Encore une fois, fabriqué en France. C'est un baume qui s'utilise au quotidien ou dans des situations spécifiques, en cas par exemple de... Aïe. Ça vous soulève, jamais vous avez des coudes, etc. Donc, c'est vraiment un produit super intéressant. On finit par le plus intéressant, l'huile de massage, je sais pas ce que t'en penses Nico. Pour me masser les coudes peut-être. Ouais, te les masserai tout à l'heure tes coudes si tu veux. Je te passerai de l'huile de chanvre naturelle au CBD bien sûr. Et en plus ça sent la lavande, donc à l'ouverture on a un petit relan de la Provence qui arrive. Et ça c'est plutôt... Avant de passer aux choses sérieuses, on va vous présenter deux objets sympas pour les fans de Pokémon. Déjà, le Grinder Pikachu, avec à l'intérieur un filtre dévissal pour profiter au mieux de toutes les particules de vos végétaux préférés, bien sûr. Pour les adeptes de soufflette, on a aussi le Power Heater. C'est un truc qui vient de sortir, un objet un petit peu révolutionnaire, dont le principe est pourtant assez simple. En fait, à l'intérieur, vous mettez votre cône, ici dans un bout spécial, vous le mettez dans le Power Heater, vous bouchez le petit trou ici avec votre doigt, et en pressant comme ça va faire sortir la fumée. Et directement dans vos poumons, directement du producteur au consommateur, j'ai envie de dire. Donc c'est un objet qui est assez sympa, original, à pas trop cher en plus. Si vous avez envie de vous faire un petit kiff, c'est le Power Heater qu'il faut choisir, je pense. On passe maintenant au plat de résistance avec le nouveau modèle de Banana Bros, le Auto en modèle Gold. On va faire même un petit unboxing en vitesse, rien que pour vous, parce qu'on vous aime bien quand même. I love you. À l'intérieur, toujours un packaging super qualitatif. Carte Banana Bros avec le mode d'emploi derrière. Le pack de cônes offert et le nouveau modèle de Auto. Donc le grinder intelligent qui dose à la perfection les cônes
afin de les remplir et les tasser bien comme il faut. On a fait une vidéo sur le auto. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le auto que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Merci Nicolas. On continue avec une chicha pour les amateurs de narguilé. On a la nouvelle Dume Car Pack, fraîchement sortie également, qui est une chicha très compacte. On le voit ici, elle est assez réduite. Néanmoins, c'est assez solide. Hein. C'est bien lourd, il y a une bonne sensation de solidité avec cette chicha. Elle est livrée dans un petit étui cylindrique avec une finition façon carbone, très sympa pour protéger votre chicha avec style. Et il y a tout ce qu'il faut pour profiter d'une chicha. Donc déjà ici, vous avez l'embout avec l'adaptateur ici pour votre foyer, si vous êtes déjà un foyer chez vous. Sinon, il y a un foyer fourni en silicone. On a juste à le clipser comme ça. En plus, c'est assorti avec la chicha. Il y a aussi un système de chauffe Dume fourni avec qui est adapté au foyer. Donc ça, c'est nickel. Le manche en deux parties. Donc vous pouvez choisir de l'utiliser en mode court ou en mode long. La pince avec le pic à charbon, le tuyau en silicone. Donc très confortable à l'utilisation. Donc pour les amateurs de chicha qui sont un petit peu baroudeurs, la Dume Car Pack, c'est le modèle du moment. Comme vous l'avez remarqué certainement depuis le début de la vidéo, il y a des petites nouveautés Clipper qui se trouvent sur le côté droit. On en a pour tous les goûts, il y a des modèles Leaf, des modèles qui reprennent les réseaux sociaux, des petites citations un petit peu sympas sur Facebook, Twitter, Insta, etc. On a des modèles Mini Gradient, on a des modèles Rasta, même un modèle en métal avec les 3X et le symbole de la ville d'Amsterdam. N'hésitez pas à aller faire régulièrement un tour sur le site S-Factory parce qu'il se peut très bien que depuis le tournage de la vidéo, il y ait déjà des nouveautés Clipper. On va maintenant s'attaquer... aux nouveautés porte-encens. Alors grosse particularité, c'est des porte-encens backflow. C'est tout simplement un encens dont la fumée coule vers le bas au lieu de s'élever dans les airs majestueusement. Et ce qui va donner des effets assez sympas dans ces fontaines spéciales. On a des cascades d'encens, ici on a un dragon qui va cracher la fumée. Ici un porte-encens avec une lune, des feuilles en forme de feuilles de nénuphar. Plein de modèles particuliers ici, une sorte de théière. Voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir toutes les nouveautés avec nous. Aujourd'hui vous aurez la possibilité de remporter le Gridder Pikachu qu'on a présenté tout à l'heure. Et un porte-encens au choix parmi celui que vous voulez, ainsi qu'un lot de 4 clippers. Évidemment, le porte-encens viendra avec les encens backflow adaptés. Vous pourrez vous en servir tout de suite. Pour ça, rien de plus simple, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un commentaire en dessous de la vidéo. On tirera au sort parmi tous les commentaires le gagnant qui sera annoncé une semaine après la publication de la vidéo, toujours dans les commentaires de la vidéo, mais également sur notre compte Instagram, @sfactoryfrance. Voilà, on espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous êtes intéressé. On vous fera régulièrement des présentations de nouveautés qui seront dispo sur S-Factory. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo S-Factory. Ok. Bon, on va pouvoir éteindre ce merdier. Moi non plus. Hein. Tu vois plus, François. Ça fait une heure. Tu me regardes plus. J'ai le goût de l'encens dans la bouche. Ah, puis ça sent bon, hein, tu peux y aller. Ça sent bon, hein.